comme toi-même. Ce qui est important, c'est qu'il faut sortir du produit. Si vous restez dans le produit strict, vous restez tout le temps dans le prix. Et si vous restez dans le prix, il y aura toujours quelqu'un de moins cher. Le client, les clients n'ont pas tous le même besoin. Et puis vous avez le client jaune. Le client jaune, c'est un... Pas un asiatique, non. C'est un affectif. C'est le genre de personne, quand il arrive chez vous, il dit « Il est là, Marcel ?»« Ah, il n'est pas là, mais je reviendrai plus tard. » C'est pour quoi faire le service client? Eh bien, le service client, c'est d'abord pour avoir une vie agréable. C'est d'abord pour vous, le service client. Le service client, c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Si vous avez un mauvais service client, vous avez le service des fraudes, vous avez les procès, vous avez des ennuis. L'attitude dans votre entreprise, c'est la seule chose que vous possédez. Quelquefois, on se dit, attends, celui-là, moi, il faut qu'il me respecte. Non, il ne faut pas qu'il vous respecte. Il faut qu'il vous aime. Si vous avez des gens qui vous aiment, alors vous irez beaucoup plus loin. Parce que s'ils vous respectent, si on les tient comme ça, ça marche super bien quand on y est, puis quand on a le dos tourné, hein, la pagaille totale. Les gens ne sont pas motivés. Ce qu'il faut, c'est se faire aimer. Je suis à l'hôtel d'Orléans, je viens de dormir. Hier soir, j'ai fait une conférence absolument super sympa. Aujourd'hui, je suis sorti de ma chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Dans cet hôtel, tout est top. J'ai jamais vu un hôtel comme ça. Il y a des affiches partout, c'est sympa. Il y a des fauteuils qui sont confortables. On est bien reçu, tout est absolument parfait. Dans la chambre, c'est génial. Donc vraiment, si jamais vous venez sur Orléans, je vous le dis, ne ratez pas cet hôtel. Et à côté de moi, j'ai le patron de l'hôtel. Alors bonjour. Ce patron, hein, il est extraordinaire. Je lui dis, mais comment vous faites pour avoir un hôtel aussi sympa, aussi bien fait? Alors quel est votre secret? De s'entourer de gens compétents. Comme disait Howard Hughes, il faut s'entourer de gens plus compétents que soi. Oui, mais alors vous m'avez dit un truc tout à l'heure. Cette intelligence-là. Vous m'avez dit un truc tout à l'heure, vous m'avez dit quand j'ai soigné les détails, quand j'ai regardé, j'ai pris une personne qui a fait 90% et après une autre qui a fait que 10% pour... Toutes les entreprises font 90% du travail. Les 10% qui restent, on sait que c'est jamais fait. Donc, je me suis entouré d'un ami qui, lui, est tout le temps dans le détail et qui se prend la tête sur tout. Donc, je lui ai dit, écoute, je te prends comme aide pendant mes 4 mois de travaux. Et effectivement, bah, il a fait les 10% que... Les 10%. Alors, évidemment, c'est toujours facile de faire les 70%, les 80% du travail. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec un bon et un excellent service client? Ce sont les 10%. Et ces 10% nécessitent beaucoup de travail pour que ce soit absolument parfait. Alors aujourd'hui, l'hôtel d'Orléans, c'est parfait. On a bien dormi. On avait une chambre, c'est génial. Il y a même un bouton dans la douche. J'ai jamais vu ça. On appuie sur un bouton et immédiatement la douche se met à la bonne température qu'on a réglée, la bonne pression, c'est génial. Enfin, la chambre est super, tout est super. Si jamais vous passez par Orléans, pensez à venir à l'hôtel d'Orléans. On va vous recevoir. Voilà, et ben je vous dis merci. À bientôt. À bientôt. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients.